Elle est là-bas. Vanessa? Vanessa, vous pouvez faire une photo? Carlos, vous pouvez enlever le masque pour la photo. Je vais vous inviter à prendre place pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé un petit siège. Merci de vous installer. Plus vous serez assis, moins vous aurez chaud. C'est bien vendu ? Donc nos médaillés, nos futurs médaillés sont en train de se prêter au jeu des photos, mais je pense que c'est pas fini pour cet après-midi. Alors Vanessa, Carlos, tout le monde est présent. Merci. Alors, monsieur le député, monsieur le vice-président de la région Grand Est, monsieur le maire, cher monsieur Nardin, monsieur le président d'agglomération, cher monsieur Heinrich, madame la Drari Grand Est, que je n'ai pas croisée encore, mais qui va nous rejoindre, messieurs les directeurs adjoints scientifiques des instituts du CNRS, qui ont la lourde tâche de m'accompagner aujourd'hui. C'est un petit peu comme mes consciences scientifiques. Monsieur le président de l'Université de Lorraine, cher Pierre, mesdames, messieurs les vice-présidents, directeurs de pôle, de collégium, cher Frédéric Villieras qui suit cette retransmission à distance, monsieur le directeur de l'Institut Jean Lamour, cher Thierry, mesdames, messieurs les directeurs adjoints de l'Institut Jean Lamour, monsieur le directeur de l'ENSTIB, cher Laurent, monsieur le coordinateur des établissements de recherche, directeur de l'IUT Épinal Hubert-Curien, cher Mathieu, messieurs les directeurs d'unités mixtes de recherche de Troyes et de Dijon, ainsi que l'ensemble des directeurs d'unités de la circonscription Centre-Est, qui nous suivent à distance aussi, madame Fierrot, chère Vanessa, monsieur Horace Sanchez, cher Carlos, vous l'aurez compris, je ne parle pas espagnol et je vous demande de m'excuser, mesdames, messieurs les chercheurs, enseignants-chercheurs de l'Institut Jean Lamour, mesdames, messieurs les personnels d'appui à la recherche, ITA, BIATS, mesdames, messieurs, chers collègues, chers partenaires, chères familles, chers amis présents dans la salle ou à distance, vous l'aurez compris, c'est une cérémonie hybride. Donc on doit aussi nous adapter un petit peu à la tonalité que les bons chiffres de l'épidémie nous encouragent à poursuivre. Quel grand honneur que cette cérémonie nous retrouver pour honorer deux brillants chercheurs et permettre au plus grand nombre de suivre à la fois cette cérémonie dans cette salle et par la retransmission en direct par-delà les frontières, j'imagine. Alors, je ne vais pas pouvoir recycler bien longtemps mes formules favorites et mes mots plus ou moins bons, puisque maintenant, on est filmé. Avant toute chose, je souhaite vous remercier, monsieur le maire, vous, les équipes de la mairie, de nous accueillir dans votre mairie à Épinal, dont je connais l'attachement à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et cela nous donne l'opportunité de témoigner aussi du lien entre science et société qui est cher au CNRS, cher à l'université, notamment ici en Lorraine. Ce lien a été parfois mis à mal, notamment ces derniers mois, faute d'une compréhension suffisante des apports de la science à la société. Faute également d'un partage de la recherche et de ses méthodes. Et du fait aussi d'un dévoiement de la notion même de vérité auprès de nos concitoyens. Ce territoire qui a vu naître Émile Durkheim, j'aurais aussi pu inviter Hubert Curien. Émile Durkheim, grand théoricien de la sociologie, qui a posé les bases de la méthode dans une discipline qui était encore jeune. Et dont j'aimerais citer une des motivations de notre assemblée de ce jour. La science commence dès que le savoir, quel qu'il soit, est recherché pour lui-même. C'est bien une main qui est tendue entre le monde de la décision politique, les citoyens, et le temps de la recherche. Je dirais un pont, un connecteur ou peut-être même un ensemble de connecteurs que nous traçons. Alors quelques mots pour partager la place que tient le CNRS dans la région Grand Est et plus précisément en Lorraine. La région Grand Est est la cinquième région en termes de personnel CNRS. C'est 1900 personnels, soit 7% de l'effectif de notre établissement.
Nous venons d'aboutir à un protocole d'accord avec la région autour de nos ambitions partagées. Et nous allons reprendre le collier pour dessiner les lignes concrètes de déclinaison de ce protocole au bénéfice de nos laboratoires. En Lorraine, on compte 32 structures de recherche très majoritairement communes avec l'Université de Lorraine et 2100 personnels qui travaillent dans ces unités, dont 600 personnels CNRS. Les marqueurs thématiques, si on se réfère au nombre d'agents, sont la chimie, les sciences de l'univers, les sciences pour l'ingénieur, mais bien évidemment aussi la physique. Au-delà des unités mixtes, la Lorraine est la terre d'accueil de services nationaux du CNRS. L'INIST, bras armé de la politique de sciences ouvertes, le service de traitement de toutes les factures du CNRS installé à Nancy, et le service de protection des données, ainsi que bien entendu la délégation Centre-Est, soit près de 300 personnes. En matière de politique de site, le CNRS est membre de l'Alliance Lorraine Université d'Excellence, notre e-SIT, notre maison commune. Et nous sommes tous tendus mais confiants vers la pérennisation attendue, et notamment ses conditions. Quelques mots ensuite, s'il en est besoin, pour vous présenter l'Institut Jean Lamour, et surtout saluer l'audace des pères fondateurs, qui ont vu l'opportunité de construire une grande communauté réunie sous le haut patronage d'un maître ferronnier, un métallurgiste, je crois. J'ai compris, cher Carlos, votre déception de découvrir que Jean Lamour s'écrivait sans apostrophe et ne faisait évidemment pas référence aux sentiments. L'IJL, un phare dans le domaine des matériaux à toutes les échelles, de la conception à la caractérisation, c'est-à-dire la définition de ses propriétés, et à la fabrication. L'IJL est en lui-même un creuset de coopération scientifique, le directeur ne me démentira sans doute pas, et allie partenariats internationaux et économiques. C'est à cet environnement que vous contribuez, madame, monsieur, par vos fonctions de directrice de recherche et de chercheur. Alors les médailles ont une importance toute particulière. Je crois que vous en avez fait l'expérience depuis l'annonce de votre médaille qui date maintenant de 2020. De la patience, il vous en a fallu pour arriver jusqu'à ce moment de la remise. Vous allez pouvoir vérifier, on pourrait dire caractériser cet objet qui va vous être remis. Alors je vous demande de ne jamais sous-estimer le pouvoir symbolique et transformant d'une distinction comme celle-ci. La médaille de bronze vous a été attribuée pour vos premiers travaux, cher Carlos, comme une première reconnaissance, surtout un encouragement à rester dans le courant de spin, évidemment, qui vous a porté jusqu'à Nancy et jusqu'au CNRS. Ce courant, vous l'avez créé autant qu'il vous a porté. Sans les rencontres, mais aussi sans votre audace, celle de votre famille qui vous a suivi ou attendu à Nancy, celle de surmonter les embûches bureaucratiques, si je puis me permettre, quand on est un chercheur étranger, nous ne serions pas à vos côtés aujourd'hui. Alors, le saviez-vous, c'est l'instant où je peux briller en société. Les électrons ont des propriétés toutes particulières. Par leur mouvement, ils créent un courant électrique puisqu'ils ont une charge, mais ils ont aussi une orientation. C'est bien cette qualité qui vous intéresse, cher Carlos, dans les travaux que vous avez menés avec le prix Nobel Albert Fert, un ami de vos enfants, je crois. Et aujourd'hui à Nancy, dans l'équipe d'électronique de SPIN. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il est possible de créer un courant sans créer de chaleur. Ça n'a l'air de rien, mais cela permet, ou permettra, le stockage de données à moindre coût écologique et évidemment à moindre coût économique. La médaille d'argent vous est attribuée, chère Vanessa, pour vos travaux déjà très avancés et complets par votre institut, qui a su voir le fil tendu entre la recherche fondamentale à laquelle vous œuvrez et vos travaux appliquée. Oui, la recherche appliquée, ou non, la recherche appliquée n'est pas que le débouché de la recherche fondamentale. C'est aussi une manière de financer la recherche fondamentale. Dans les fondations solides et profondes dont nous avons besoin, la maison pourra ensuite tenir de nombreuses années. Alors, le saviez-vous, les tanins ne sont pas seulement les alliés du goût, ils apportent également la structure à un vin. Ils peuvent aussi donner un goût astringent aux aliments. Avez-vous déjà mangé un kaki pas assez mûr? Je pense que là, le sentiment d'astringence, on le connaît. Et les tanins permettent aussi, entre les mains d'une personnalité créative comme vous, chère Vanessa, de fabriquer des structures carbonées en limitant l'emploi des ressources du sol et du sous-sol. Il est vrai que le carbone a très mauvaise presse ces derniers temps. Alors, vous êtes passé des cols aux mousses ayant des propriétés remarquables de solidité dans des conditions de chaleur, comme aujourd'hui,
Et ces travaux, vous les menez en équipe, une notion qui vous tient à cœur, je crois, à la suite d'Antonio Pizzi et avec Alain Zelda. Alors, vos recherches sont interdisciplinaires. On va citer notamment le stockage de l'hydrogène et font que vous contribuez activement aux défis sociétaux de Lorraine Université d'Excellence. Vous êtes arrivé au CNRS en 2005 et à ce moment-là, vous aviez le choix, je dirais même l'embarras du choix, parmi les différents postdocs qui se présentaient à vous. Et vous avez choisi le CNRS, m'avez-vous dit, car vous êtes une idéaliste et vous teniez à la recherche. Alors, vous avez eu de nombreux prix et les trophées ne sont pas si nombreux dans les métiers de la recherche. Accueillez les récompenses avec fierté, l'un et l'autre. Elles témoignent de la reconnaissance de l'institution. Alors je vous dis bravo pour votre parcours au nom du CNRS, mais je vous dis surtout merci. Comme l'a fait Thierry Belmonte dans votre compte-rendu annuel d'activité, puisque, à la rubrique commentaire du directeur, Thierry a écrit « Médaille du CNRS ». Avec un joli point d'exclamation, qui signifiait qu'il était très content, voire même un peu épaté, et qu'il s'en réjouissait. Thierry, vous pourrez me démentir. Alors évidemment, les médailles ne sont pas un aboutissement, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. C'est un tout petit équipement de laboratoire, vous verrez. C'est un petit équipement qui permet la catalyse pour accélérer les projets, j'espère, qui vous permet de donner de l'énergie à votre action et de la structurer. Elles sont une distinction, c'est-à-dire que c'est ce qui vous distingue des autres et vous fait entrer dans la famille des médaillés, une sorte de réserve scientifique citoyenne que l'on peut solliciter. Alors nous n'hésiterons jamais à vous solliciter pour des rencontres avec le jeune public, les scolaires, les publics éloignés, toutes les actions de médiation scientifique qui nous tiennent à cœur. N'hésitez pas à nous dire non. Vous en avez le droit bien sûr, mais à chaque fois que vous direz oui, nous serons ravis de pouvoir poursuivre le dialogue initié aujourd'hui. Dépasser les frontières, élaborer de nouveaux pas vers un monde meilleur, moins consommateur de ressources, c'est à cela que vous œuvrez. Et pour tout cela, merci. Merci de votre exemple, de ces exemples qui font briller la curiosité des enfants et s'éclairer les yeux de nos concitoyens, dont je fais partie, évidemment. Je ne serai pas plus longue, je vous dis bravo et merci. Et j'invite Monsieur le maire à nous rejoindre. Bien, Madame la déléguée régionale du CNRS, Monsieur le député, cher Stéphane, Monsieur le vice-président de la région Grand Est, bienvenue François ici à Épinal, Monsieur le président, Monsieur le président de la communauté d'agglomération d'Épinal, cher Michel, Monsieur le président de l'Université de Lorraine, Messieurs les directeurs, directeurs scientifiques, Madame, Monsieur les lauréats, Mesdames, Messieurs. Autant vous dire que je suis très heureux, madame, de pouvoir vous accueillir ici à Épinal après l'annulation de la cérémonie qui devait avoir lieu en fin d'année dernière. Et je tiens bien sûr à vous remercier, la délégation 113 du CNRS pour avoir choisi notre ville. C'est un honneur, c'est du bonheur bien sûr pour nous de pouvoir vous accueillir. C'est une vraie récompense, Michel, pour tout le travail de fond qu'effectue la ville d'Épinal et la communauté d'agglomération depuis des années et qui a fait que nous sommes le troisième pôle universitaire de Lorraine. Je souhaite avant tout vous féliciter, je regarde nos deux chercheurs, parce que vous allez être récompensé aujourd'hui par vos travaux, chère Vanessa Fierro, chère Carlos Rojas Sanchez, je ne fais pas d'espagnol. On est dans la même équipe. Bon. Vous participez bien sûr au rayonnement de notre territoire et de notre pôle universitaire, mais aussi bien sûr à la renommée de la recherche française. Vos travaux respectifs au sein de l'Institut Jean Lamour, antenne d'Épinal, antenne de Nancy, témoigne de la même volonté de repousser les limites de la connaissance et puis d'ouvrir des horizons nouveaux dans vos domaines de spécialité. Cette remise de médaille est donc aussi l'occasion de mettre en avant la qualité des travaux qui sont produits dans cet établissement. Cet établissement, né en 2009 de la collaboration entre l'Université de Lorraine et le CNRS, ce partenariat est en effet une grande réussite qui a permis d'associer les intelligences de chacun pour bâtir un centre de recherche de haut niveau dont l'expertise est reconnue et bien sûr je m'en réjouis.
Le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas toujours considéré comme un acteur de proximité. Et pourtant, il est ancré dans la réalité de nos territoires et de ses enjeux. Je pense évidemment au domaine de l'économie, où il existe des synergies flagrantes entre les chercheurs et certaines industries. Il y a de réels partenariats qui se créent autour des filières d'excellence locale, dont nous avons un excellent exemple, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, avec la future maison de l'habitat. Ce bâtiment dont la communauté d'agglomération a notamment mobilisé dans sa construction les dernières innovations liées au bois ainsi que les matériaux biosourcés qui font l'objet des recherches de Mme Fierro pour contribuer à réduire de façon drastique son empreinte carbone. Ces exemples de complémentarité sont précieux et permettent de voir comment la recherche universitaire peut contribuer à accroître notre compétitivité et à densifier notre tissu économique local. Le travail de recherche peut aussi nous épauler dans certains des défis qui se présentent à nous, comme celui immense de la transition énergétique. C'est d'ailleurs l'un des aspects des travaux de nos deux lauréats. Vanessa Fierro travaille sur l'utilisation des matériaux biosourcés. Et Carlos Rojas Sanchez étudie, lui, les SPIN, qui sont une piste de réflexion pour la création de composants électroniques à très faible consommation énergétique. Cela pourrait être une grande avancée en matière de stockage de l'information, qui est un problème d'importance aujourd'hui et qui sera un enjeu crucial demain. Ces recherches, elles s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre d'un projet européen impliquant 8 pays différents. Car nos chercheurs apportent aussi un rayonnement et une renommée aux territoires qui les accueillent et contribuent avec les acteurs économiques à la construction du pôle de compétitivité, parfois mondialement reconnu. Épinal est donc à la fois fière et heureuse de compter parmi ses habitants des chercheurs, car nous avons bien sûr besoin d'eux. Je crois d'ailleurs qu'Épinal est un lieu de recherche idéal, car pour bien travailler, il ne faut pas seulement des infrastructures, un équilibre privé et un cadre de vie paisible sont aussi nécessaires. Regardez autour de vous cet après-midi. Et c'est justement ce qu'offre notre ville, son territoire. Un environnement naturel superbe, des services de proximité pour l'ensemble de la famille, une vie culturelle et sportive riche et diversifiée, un patrimoine et une histoire vivante. La période que nous traversons semble avoir remis en valeur nos villes moyennes et à taille humaine, et c'est là une réelle opportunité à saisir. Nous devons faire valoir nos atouts auprès de la communauté scientifique pour continuer à attirer des chercheurs venant de tous les pays, voire même du monde entier, comme l'illustre le parcours des deux médaillés de l'édition 2020. Épinal et la Lorraine sont aujourd'hui un territoire de recherche reconnu, mais ils pourraient devenir demain un moteur de la recherche dans certains domaines. Encore bravo à nos deux lauréats et merci pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je vais inviter monsieur le président de la communauté d'agglomération d'Épinal, monsieur Michel Heinrich. Sans note. Non, avec. C'est pour me faire rougir. Avec, c'est pour vous faire. Bonjour à tous. Je n'ai plus grand-chose à raconter ou à vous dire après les propos fort complets que vient de prononcer monsieur le maire, cher Patrick, que je salue, monsieur le député. Monsieur le vice-président du Conseil régional, qui a beaucoup de choses à faire en ce moment et qui est néanmoins présent ici, merci François d'être là, madame la conseillère régionale. Je voudrais bien sûr vous saluer vous-même, madame. Merci d'être ici et puis d'avoir choisi Épinal pour cette remise de distinction. Je voudrais saluer l'ensemble des chercheurs, des directeurs de recherche qui sont ici présents. Certains, si j'ai cru comprendre, ont fait beaucoup de kilomètres pour être présents. C'est vrai que c'est touchant, ça montre. Je pense que des récipiendaires doivent être sensibles à ce fait que les personnes sont venues de loin. Je voudrais aussi saluer les différents responsables, directeurs d'établissements. Alors, j'ai vu que dans la liste des gens que vous avez prévu de faire parler, elle était très longue. Je me suis dit, ils doivent parier sur le fait qu'ils ne viendront pas tous. Mais alors, c'est vrai pour l'État, mais qui est en devoir de réserve. Et pour le reste, je crois qu'effectivement,
Ils sont nombreux à être ici présents. Alors, je vous l'ai dit, je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour ce moment solennel de remise des médailles à ces deux talents qui vont être distingués aujourd'hui. Et on est d'autant plus heureux qu'on a patienté un peu entre l'annonce et la réalisation de cette remise. Mais je tiens à vous remercier les responsables du CNRS qui ont choisi d'organiser cette cérémonie ici. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir sur ce territoire, de recevoir tous ces chercheurs qui, par leur talent, leurs travaux, contribuent à l'avancée de nos connaissances et de la science. Et parce que nous sommes réunis en leur honneur, je tiens bien sûr à les féliciter tous les deux. On ne voit plus leur image, mais Madame Vanessa Fierro et Monsieur Carlos Rojas Sanchez, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons, qu'on va découvrir vos parcours. C'est déjà en partie fait. On a aussi vu le type de recherche que vous menez. Et cette recherche, eh bien, le CNRS, vous-même, vous êtes des beaux symboles de l'étendard de la recherche française en Europe et dans le monde. Et le CNRS vient d'ailleurs de fêter, si je ne m'abuse, ses 80 ans. Et qui porte très haut les couleurs de la France. C'est en partie grâce au travail de jeunes comme vous, madame et messieurs, que nous pouvons nous glorifier de la place qu'occupe la recherche française dans le monde. Et je veux le rappeler, la puissance d'une nation se mesure entre autres à ses avancées scientifiques et à l'efficacité de ses chercheurs. La recherche, c'est la quête de l'action, de chercher, bien sûr, à découvrir quelque chose, de parvenir à de nouvelles connaissances. C'est la quête du progrès, la recherche du progrès. Concrètement, il s'agit pour nous de conserver la maîtrise des technologies fondatrices du monde de demain. C'est-à-dire qu'il faut permettre à nos entreprises de participer à la course internationale en stimulant l'innovation. Mais cela signifie également aider au combat contre la maladie, le réchauffement climatique, contre les inégalités de développement, contre l'épuisement des ressources. Et pour accéder à cette excellence, il convient préalablement de faire de nos universités, de nos formations, les sources de cet avenir meilleur que nous devons réinventer chaque jour, tous ensemble, plein d'optimisme et d'espoir. La communauté d'agglomération y prend sa part, ça a été rappelé par le maire d'Épinal depuis des années, en soutenant financièrement le fonctionnement, les investissements de nos établissements d'enseignement supérieur et en mettant, par exemple, tout récent, ça vient de sortir, une nouvelle structure comme l'hôtel d'innovation bois. L'enseignement supérieur de proximité est incontestablement, mon cher Pierre, un outil d'égalité des chances. Mais c'est également une source d'attractivité, un levier de compétences, ainsi que la voie vers l'excellence, vers la recherche. J'étais frappé tout à l'heure en visitant le laboratoire où vous avez expliqué le travaux de vos recherches, madame, de voir qu'il y avait un Français qui sauvait l'honneur, mais que tous les autres venaient du monde entier. Et c'est bien ça, de l'attractivité et donc et de l'intérêt aussi pour les travaux qui sont menés à l'Institut Jean Lemour et dont la notoriété est mondiale. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas être plus long, mais je voudrais simplement renouveler mes félicitations aux deux récipiendaires. Vous êtes des exemples pour nous tous, des exemples pour notre jeunesse, des exemples d'ailleurs pour les étudiants qui ont la chance, le plaisir de pouvoir vous côtoyer. Vous représentez l'excellence scientifique française et le dévouement à la cause du savoir indispensable, à la pérennité, je dirais, et au rôle primordial d'une nation comme la nôtre. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je vais inviter François Werner, vice-président délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche de la région Grand Est. Donc, merci de l'étape du jour. Donc, tu m'as défié, donc j'ai laissé les notes, mais j'en avais quand même quelques-unes. Aurais-je osé. Chers amis spinaliens, d'abord, parce que Épinal est cher à mon cœur, je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est beaucoup moins personnel qu'il n'y paraît, donc... Stéphane, Michel, Patrick, Elisabeth, je reviendrai à Elisabeth après. Chers amis du monde de la recherche, que ce soit du CNRS, madame la déléguée régionale, ou
de l'Université de Lorraine, Monsieur le Président. Avec, je crois que je peux me permettre de partager avec Elisabeth Del Genini le plaisir extrême pour la région de voir aujourd'hui les médailles décernées aujourd'hui, parce qu'elles sont extraordinairement emblématiques de ce que notre région essaye de porter. Alors avant toute chose, je ne parle pas espagnol, mais je voudrais féliciter évidemment Vanessa Fierro et Carlos Rojas Sanchez, parce que je pense que ces médailles, je regardais les dates auxquelles elles ont été créées, elles n'ont pas été créées par hasard. Elles ont été créées parce que l'activité d'un chercheur, elle est, comme nous tous peut-être, mais elle est faite de haut, elle est faite de bas, et puis elle est souvent, trop souvent d'ailleurs, obscure et pas assez mise en lumière en ce qu'elle change et changera demain la vie des personnes, et on l'espère de la façon la plus positive possible. Et donc distinguer un chercheur, c'est faire beaucoup plus que le récompenser lui-même, c'est très important, et vous le méritez évidemment, mais c'est permettre de montrer à la société qu'il y a des choses qui avancent, que le progrès en lui-même n'est pas à remettre en question, que c'est la façon dont on va ensuite l'utiliser. Et ça, ça nous appartient un tout petit peu plus à nous, politiques, et on ne l'a pas toujours très bien utilisé. C'est un très grand plaisir pour la région. Alors d'abord parce que je voulais venir sur les terres d'Elisabeth, parce que je pense qu'Elisabeth est la première ambassadrice de l'enseignement supérieur et de la recherche d'Épinal, mais je dirais même dans l'ensemble du Grand Est. C'est-à-dire que toutes les fois que je la croise, elle a une raison de me tirer par la manche en me disant « Dis donc, est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu n'as pas oublié ?» En particulier l'ENSTIB, évidemment, mais pas seulement. Donc je crois qu'elle contribue beaucoup aussi au développement de ce site. Et je viens au site. Cette médaille, elle est emblématique à trois égards. Le premier, c'est la politique de site que nous essayons de développer au sein de la région. Nous avons une région immense, c'est vrai. Et comme l'a dit Michel, plus on rapproche l'enseignement supérieur et la recherche des chercheurs et des étudiants, enfin du territoire et des étudiants, plus on est utile, plus on est accessible. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et ceux qui ont construit, je crois que Pierre le dira tout à l'heure, ceux qui ont construit et développé cette filière matériaux sur le site d'Épinal ont été particulièrement pertinents, parce qu'ils ont trouvé le bon axe, le bon créneau, l'endroit où ils pouvaient bâtir une filière d'excellence. Cette politique de site, elle est à saluer absolument, et elle se fait sur le long et le très long terme. Elle ne se décrète pas. La deuxième raison de se réjouir pour la région, c'est qu'en distinguant deux chercheurs en matériaux, vous validez pleinement les axes qui ont été retenus par la région comme étant nos points forts. On a fait des choix. Parce qu'on ne peut pas être partout, parce qu'on ne peut pas être excellent dans toutes les disciplines. Et qu'à certains moments, il faut pouvoir non seulement concentrer nos moyens, mais aussi concentrer la visibilité pour l'extérieur de l'utilisation de ces moyens et rendre du coup lisible notre territoire avec l'ensemble de la filière matériaux. Je crois que notre territoire est extrêmement lisible. La troisième et dernière, sinon je vais me faire reprendre par dépassement de temps, c'est... Oh, j'ai une belle note qui me dit voilà combien on a mis de fonds européens sur le projet Talisman. Alors c'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est vrai que c'est pas mal, 1 990 000, c'est pas si fréquent. Mais ce que je trouve fondamental dans le projet que vous avez bâti, madame, c'est qu'il est complètement fédérateur d'une multitude de laboratoires de recherche. Il est profondément lorrain puisqu'il s'étend du sud lorrain, leader, en tout cas porteur du projet, mais jusqu'à Saint-Avold, dans le nord de la Moselle. Et je pense que ça, c'est aussi notre avenir, d'être capable de faire travailler en réseau l'ensemble des points d'excellence. J'imagine que vous n'avez pas choisi par hasard. J'imagine que ces chercheurs se sont trouvés d'abord par affinité, mais aussi simplement parce qu'ils avaient chacun des spécialités et des talents particuliers. Et donc, c'est pour ces trois raisons-là, voilà, c'est un bonheur immense d'être là aujourd'hui et de pouvoir saluer une médaille de très haut niveau et une médaille fort encourageante aussi pour vous, Monsieur Rojas Sanchez. Bonne journée. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci beaucoup, Monsieur le député des Vosges, Monsieur Viry, si vous voulez bien me rejoindre. On vous a tous équipés d'un petit ventilateur manuel, voyez, si vous en avez besoin. Il y en a.
On a quelques Bien, merci à vous pour votre invitation et cette proposition d'intervenir quelques instants à l'aube de ce moment important pour vous dire, mesdames et messieurs, madame la déléguée régionale du CNRS Grand Est, bien sûr à tous les élus du territoire très impliqués sur tous ces sujets, monsieur le président de l'Université de Lorraine, mesdames et messieurs les responsables de formation, d'entités de recherche et d'enseignement supérieur à Épinal, pour vous dire que je partage avec vous le plaisir cet après-midi d'être ici à Épinal pour cette cérémonie de remise des médailles des talents du CNRS. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette invitation qui est effectivement reconduite à certaines reprises en raison des contraintes sanitaires, pour vous dire l'importance que je sais pour Épinal et pour le département des Vosges de pouvoir compter sur un organisme de recherche tel que le CNRS. Et cette cérémonie cet après-midi est un coup de projecteur pour vous, pour notre département. Oui, les Vosges sont compétitrices en la matière. Et oui, dans les Vosges et dans le Grand Est en général, nous savons faire de la recherche. La recherche scientifique, et ce n'est pas à vous que je vais le démontrer cet après-midi, est indispensable aujourd'hui. Et si on veut se diriger vers plus d'innovation pour maîtriser notre destin, nous devons coûte que coûte continuer à aller de l'avant. La recherche, à mes yeux, s'inscrit dans la nécessité de l'économie locale, aux côtés de l'économie locale, de l'industrie vosgienne en particulier, et des besoins des entreprises. La société française évolue, les sciences françaises doivent évoluer de la même façon. Aujourd'hui, cet après-midi, nous aurons l'occasion et l'honneur de remettre deux distinctions, récompense du travail fourni, une médaille tout d'abord de bronze du CNRS qui récompense le premier travail de chercheur et une médaille d'argent qui distingue des chercheurs et des chercheuses qui ont l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux reconnus tant sur le plan national que sur le plan international. À mon tour et par ces quelques mots, je tiens personnellement et à ce titre féliciter M. Carlos Rojas Sanchez, chercheur au CNRS en physique de la matière condensée et en sciences des matériaux, et Mme Vanessa Fierro, directrice de recherche au CNRS, responsable de cette équipe qui étudie les matériaux biosourcés, chacune et chacun d'entre vous pour leurs travaux. Bien sûr, ces deux récompenses, ces deux titres aujourd'hui, démontrent la réussite locale du CNRS de la délégation Centre-Est. Je ne voudrais pas, pour vous faire injure, rappeler l'importance et le rôle du CNRS, une institution pluridisciplinaire à l'initiative de multiples travaux de recherche majeurs depuis 1939. Le CNRS est un socle de souveraineté pour notre pays. Et les différentes missions qui lui sont attribuées permettent encore et toujours aujourd'hui de trouver des solutions scientifiques aux sciences humaines. Toutes les recherches, faites en majorité par le CNRS, présentent un intérêt pour l'évolution de la science, ainsi que pour le progrès économique, social et culturel de notre pays. Les résultats des tests, des explorations scientifiques effectuées par le CNRS sont reconnus et permettent aujourd'hui de valoriser la recherche nationale, notamment auprès des partenaires industriels, parce que la recherche doit avoir une traduction très concrète, très pratique. Ainsi, le partage des connaissances, à mes yeux, est essentiel pour permettre, bien sûr, à la communauté scientifique, mais au-delà, aux médias, au grand public, de se constituer un patrimoine commun. Le patrimoine scientifique est un patrimoine national français. Je sais bien sûr, et pour finir ces quelques propos, que les capacités de formation et d'accompagnement du CNRS sont évolutives. La cérémonie des talents organisée aujourd'hui, au terme, je l'espère, de cette crise sanitaire, qui pour l'heure n'a pas obtenu une réponse scientifique, en est une illustration. Enfin, je voudrais dire que, à mes yeux, là encore, le CNRS est finalement un organe politique. Un organe de politique scientifique. Il participe, quels que soient les gouvernements, quels que soient les moments du pays, il participe coûte que coûte à la stratégie nationale de recherche avec ses partenaires, tels que notamment les grandes universités françaises. Tout cela me tend à dire, à démontrer, à plaider que le CNRS a légitimement toute sa place dans l'environnement politique, mais bien sûr scientifique français, et qu'il doit, à mes yeux, là encore, continuer à jouer un rôle pionnier, innovant en termes de transition écologique et de recherche en sciences humaines. Les sciences humaines,
mais la recherche scientifique et humaine est un domaine qui m'intéresse. J'avais d'ailleurs rédigé en 2018 un rapport d'information parlementaire intitulé « Femmes et sciences ». Le président de la République avait effectivement, quelques mois précédemment, annoncé une des grandes causes du quinquennat, celle de l'égalité femmes-hommes. Je souhaitais effectivement m'inscrire dans cette vision politique, dans cette vision sociétale de notre pays, et regarder ce qu'il en était de l'approche de la science française à l'égard des femmes. Au terme de ce travail parlementaire, je me suis rendu compte, et vous en êtes probablement conscient, parce que peut-être directement acteur, qu'il y avait en France des carences à combler coûte que coûte, parce qu'à défaut, on ne réserve pas la place aux femmes, aux talents féminins, à la recherche, que ce soit dans la recherche, dans les promotions de carrière, dans les responsabilités de recherche, aux femmes qui sont très impliquées dans ce domaine, et une telle situation est inacceptable. Je souhaite fortement que les recommandations de ce rapport, les 23 recommandations, puissent, au-delà de la prise de conscience, permettre une évolution de cette situation. Je sais, pour m'être renseigné, que la mission pour la place des femmes au CNRS existe en particulier. Elle est rattachée à la présidence du CNRS. C'est une instance dans le domaine de la recherche en France. Elle s'attache à promouvoir la recherche de l'égalité salariale et professionnelle femmes-hommes. J'y souscris totalement parce qu'on ne peut pas considérer que tous les programmes de recherche peuvent être, à ce jour, au XXIe siècle, en France, encore trop genrés. Ainsi, j'en terminerai par ces quelques mots. Le plan d'action, je cite, « Agir pour l'égalité professionnelle au CNRS », mené il y a quelque temps, en 2014, comporte 4 axes de travail. « Agir pour l'égalité professionnelle au sein du CNRS », promouvoir la transversalité de l'approche de genre en recherche, valoriser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes et enfin développer les partenariats européens et internationaux, tout cela pour développer la recherche scientifique française, mais surtout pour donner aux femmes de France la place qui leur revient dans cette stratégie nationale. Finalement, le CNRS a évidemment une approche politico-scientifique qui sont reprises par les différentes assemblées et qui doivent être valorisés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je tenais bien sûr à féliciter nos deux lauréats pour l'ensemble de leurs travaux et au-delà de leur situation personnelle, remercier pour leur action tout au long de leur carrière professionnelle et les féliciter l'ensemble des chercheurs du CNRS qui œuvrent au quotidien à l'évolution de notre société. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Je crois que la moitié de l'humanité a bu vos paroles. Je vais vous proposer un petit intermède avec un invité surprise qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui va s'inviter par là. Je suis particulièrement heureux d'adresser ces quelques mots au cours de cette cérémonie, d'abord pour honorer les deux vedettes du jour, Maria Vanessa Fierro Pastor et Juan Carlos Rojas Sanchez, et aussi avec une pincée de nostalgie, des excellents souvenirs que m'ont laissé les années passées dans cette région. Malheureusement, les obligations de ma fonction m'empêchent d'être présent avec vous aujourd'hui. Je remercie la déléguée régionale du CNRS, Edwige Elmer Laurent, et ses services d'avoir organisé cette cérémonie et de m'avoir proposé d'enregistrer ce message. Chère Maria Vanessa Fierro Pastor, je tiens à vous féliciter pour votre parcours de recherche et votre rayonnement international dans le domaine des matériaux biosourcés, avec la préparation et l'étude des propriétés de nouveaux solides pour eux multifonctionnels. Votre thématique de recherche s'apparente à celle des alchimistes. Non pas que vous soyez parvenu à trouver la pierre philosophale, mais en ce sens qu'elle cherche à transformer des déchets en matériaux utiles, tels ces mousses faites à base de tanins ou des gels de tanins ou de carbone faits à partir de résine phénolique. La médaille d'argent du CNRS qui vous est remise aujourd'hui est amplement méritée. Cher Carlos, malgré, ou plutôt grâce à un parcours atypique, et à des qualités d'expérimentateur exceptionnelles, tu as pu développer une recherche d'une très grande originalité qui sert à des idées particulièrement originales. Péruvien tu es, c'est là que nous nous sommes connus il y a déjà quelques années. Tu as préparé une thèse en Argentine pour ensuite rejoindre la France, puis à Spintech, à l'Institut Néel et enfin à l'UMR de physique CNRS Thalès, avant de rejoindre l'Institut Jean Lamour. Tu y mènes des travaux sur l'effet Hall de spin anormal en spin calorimétrique et sur des dispositifs à base d'isolant topologique. J'aurais été très fier de te remettre ta médaille de bronze. Pues Carlos, no he podido venir, pero vengo el 22 en Nancy, a ver si podemos tomar una cerveza.
Au nom du CNRS, je vous remercie tous les deux pour votre investissement et vous félicite de votre talent. C'est l'argent et le bronze aujourd'hui, et pourquoi pas l'or demain. Bon, sans vous mettre la pression, vous voyez, le programme est tracé déjà. Une bière et la médaille d'or. Hein, c'est pas très compliqué finalement. Donc je vais inviter à me rejoindre M. Mutzenhardt, président de l'Université de Lorraine. On est toujours content de se retrouver, président. Toujours. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Monsieur le maire d'Épinal, monsieur le président de la communauté d'agglomération, monsieur le vice-président de la région et parti, monsieur le député, madame la conseillère. Tu veux que je rapproche le micro ? J'ai l'impression. Il faut que je parle plus fort. Monsieur le directeur de l'Institut Jean Lamour, messieurs les autres directeurs, j'ai vu le directeur de l'ENSTIB, bien sûr, mais aussi le directeur de l'IUT d'Épinal, mesdames et messieurs, et bien sûr, chère Vanessa, cher Carlos. Alors, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de dire autre chose. Ce sera peut-être un peu plus simple. Et de revenir, alors, je ferai une partie sur Nancy, parce qu'on parle beaucoup d'Épinal, c'est normal. On va peut-être parler aussi un peu de ce qui se passe sur Nancy. Peut-être pour dire, vous avez fait allusion à 2009. Et en effet, 2009, je pense que Alain Celzar doit s'en souvenir, je pense que c'est le moment où il a été nommé à Épinal, dans un pari qui a été fait par Pierre Steinmetz, qui était directeur à cette époque d'un laboratoire qui allait donner l'IGL, qui était dans la fédération à ce moment-là, Jean Lamour, et avec un pari qui était de dire, à partir du bois, il y a quand même beaucoup de carbone, parce que c'était un laboratoire sur le carbone, on devrait pouvoir faire quelque chose, et ce serait bien qu'on ancre une recherche, ou qu'on complète la recherche qui s'était déjà développée, qui était vraiment autour du bois et des activités du LERMAB sur Épinal. Mais on voit ce que ça a donné, avec, je le dis, mais vraiment sans malice, quelques difficultés au début pour Vanessa à pouvoir rejoindre du point de vue du CNRS à un endroit qui n'était pas une des métropoles, voilà, je m'en souviens, parce qu'à l'époque j'étais vice-président du conseil scientifique, mais quelle réussite aujourd'hui. Et je crois que ça fait la fierté à la fois de l'université et du CNRS que cette équipe se soit établie, qu'elle soit aussi internationale, qu'elle produise des résultats qui sont tout aussi exceptionnels, que ce soit par l'un ou par l'autre et par tous les doctorants et post-doctorants qu'on a pu voir. Voilà, c'est quand même ce petit bout d'histoire qu'il fallait rappeler et qui fait qu'on arrive, avec le soutien d'ailleurs constant, monsieur le président et ancien maire et nouveau maire du territoire, puisqu'il y a eu un soutien de la région, un soutien de la communauté d'agglomération et aussi de la ville d'Épinal, qui est bien sûr pour la recherche, ce qui n'est pas toujours forcément évident, mais forcément aussi pour l'enseignement supérieur, où vous avez toujours et êtes toujours très présent aux côtés de l'université. Donc voilà, il faut rappeler ce petit bout d'histoire qui nous amène à ce qu'une recherche d'excellence soit ancrée ici, avec des choix qui ont été faits quelques années auparavant. Ça se fait sur le temps long, la recherche. Ce que je déduis aussi des médailles aujourd'hui, messieurs les directeurs des instituts scientifiques du CNRS, c'est qu'il faut être à l'IGL et parler espagnol. Sinon, ce n'est pas facile d'avoir une médaille. Alors, je ne sais pas si c'est exactement espagnol, mais je pense. Hein, parce qu'on a travaillé avec la vice-présidente pour savoir différentes langues qui sont pratiquées dans votre pays d'origine. Donc, vous montrer tous les deux l'attrait de la France. En termes de science, on a énormément de chercheurs étrangers. Le laboratoire, alors que ce soit les équipes à l'IGL sur Nancy ou que ce soit l'équipe de Vanessa nous le prouve avec les multiples nationalités qui peuvent être présentes. Je crois que c'est important. Important aussi que ce soit un homme ou une femme dans une remise de ses talents CNRS. Alors les talents CNRS, c'est quelque chose que je vais laisser décrire au directeur d'institut. Mais c'est quand même une médaille importante de niveau national, une vraie reconnaissance d'un travail de recherche ou d'un premier travail de recherche. Et c'est vraiment une reconnaissance que beaucoup, je pense, vous envient parce qu'elle est appréciée. Alors, la médaille d'or, c'est plus compliqué, mais il ne faut pas baisser les bras et je n'ai pas l'impression que vous soyez de ceux qui baissent les bras.
Je ne vais pas décrire vos recherches, mais je vais décrire aussi l'équipe, parce que j'ai vu d'autres gens de l'équipe, Thomas Aoué, j'ai vu Stéphane Mangin ou d'autres personnes de l'équipe de Carlos qui sont ici, parce que c'est aussi une autre aventure que l'électronique de spin, qui, je ne sais pas exactement quand cela s'est développé, mais ça a eu un impact considérable avec des tubes, par exemple, qui sont arrivés, mais surtout au-delà des tubes qui servent à bien plus largement que l'équipe sur l'électronique de spin, des développements qui sont fantastiques et qui vont continuer, qui évoluent, puisque entre le stockage magnétique et maintenant d'autres évolutions sur des capteurs, sur d'autres choses qui sont fantastiques et peut-être même sur du stockage de l'énergie. D'ailleurs, vous pouvez travailler ensemble, parce qu'on a vu des capacités pour stocker de l'énergie. Je pense qu'il y a des choses qui pourront être faites en commun. On a là une équipe qui est tout à fait remarquable aussi sur Nancy. Je pense que le directeur pourra en dire quelque chose. Puis le remercier de l'accompagnement, parce qu'il a un accompagnement vis-à-vis des projets des chercheurs que je trouve exceptionnel. Voilà, donc c'est vraiment une très belle journée, une journée qui montre que la recherche peut se faire partout, qu'il y a des talents partout, que nous attirons en France des talents et à l'Université de Lorraine également, et que vous féliciter, c'est une toute petite chose par rapport à ce que vous avez réalisé. Et je crois que ces médailles du CNRS qui mettent vraiment en avant le talent des chercheurs français, elles sont arrivées au bon endroit. Et vraiment, mes plus sincères félicitations pour ces travaux. Et ce qui me réjouit encore, c'est que je ne sais que c'est une médaille dans une carrière qui est encore longue et qui va être encore très fructueuse en brevets, inventions. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Merci en tout cas à vous deux. Merci à tout le monde. Merci, Président. Merci beaucoup. Je vais inviter Thierry Belmonte, le directeur de l'Institut Jean Lamour. Merci. 14 pages. Ouais, au moins. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je vais parler essentiellement de l'universalisme qui couronne ces deux distinctions, parce qu'il n'est quand même pas si courant de pouvoir avoir dans un laboratoire déjà une première distinction au niveau des talents, mais deux la même année, c'est absolument remarquable, et deux hispanophones, ça l'est encore plus. Et je pense qu'il faut voir dans ce message-là quelque chose qui honore non pas le fait que vous parliez espagnol, mais que vous parlez aussi anglais, que vous parlez français, enfin, ça peut-être un peu moins, et surtout le fait que vous parliez science. Et moi, c'est ça qui m'intéresse avant tout. C'est que dans le message scientifique que vous portez, la science est vraiment la langue qui nous est commune et qui, je pense, doit rester fun. Donc, parce que nous avons une passion autour de nos activités qui, comme pour la littérature, comme pour les arts en général et notamment la musique, doit nous permettre de s'exprimer avec une liberté de ton que je vais essayer d'employer dans le message que je vais vous transmettre. Alors, j'ai le privilège d'être le directeur d'un laboratoire qui compte en ses rangs des chercheurs exceptionnels. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat. Parmi eux s'en trouvent donc deux que j'apprécie tout particulièrement en raison de leur qualité humaine d'une part et de cette passion que nous partageons pour la science et dont je viens de parler. Vanessa Fierro, médaille d'argent, et Carlos Roras Sanchez, médaille de bronze, tous deux distingués pour la qualité exceptionnelle de leurs travaux. Voilà qui leur fait déjà un point en commun de plus que leur langue maternelle. Dans un tandem, c'est un tandem qui me rend particulièrement fier parce qu'on y respecte la parité homme-femme, pour une fois. On y salue l'importance de rester un pays ouvert au monde. Moi, je pense qu'en ces temps un peu compliqués, il est important de conserver ça à l'esprit. On y honore au travers des talents individuels, des contributions collectives. Alain est là. Oui, c'est bien collectif, hein, on est d'accord. Donc... Et là ne s'arrêtent pas les convergences. De Saragosse à Épinal, comme de Lima à Nancy, il aura fallu renverser des montagnes. Les trajectoires de l'une et de l'autre de nos étoiles du jour ont été ballottées au gré des post-docs pour briller finalement dans notre belle région. Il n'est pas de lumière sans énergie. Ces deux-là en regorgent et ouvrent des voies originales sur les mousses de carbone ou l'électronique de spin. Renverser des montagnes encore et toujours. C'est grâce à Vanessa que j'ai appris le véritable sens de l'expression « faire effet levier ».
aucune source de financement qui ne soit immédiatement utilisée comme apport à un nouveau projet. C'est un peu un système de Ponzi, vous savez, là, le financement pyramidal, si vous connaissez ça, qui ferait pâlir d'inquiétude un Bernard Madoff et parfois le directeur que je suis, j'en conviens. Résultat, vous l'avez vu tout à l'heure dans ces salles de manip qui ressemblent à de gigantesques Tetris où il faut empiler toutes les manips pour qu'elles s'emboîtent bien les unes dans les autres et remplissent totalement les salles. C'est grâce à Carlos que je tutoie désormais Albert Fert. Suite à nos échanges épistolaires pour préparer le dossier de candidature à la médaille de bronze, Albert, comme il l'appelle, lui qui appréhende de parler à des journalistes, bon, je cafte, hein, comme dirait ma fille, c'est un truc de ouf, c'est un peu comme rôtir des cochons d'Inde, si vous voulez, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc tutoyer des prix Nobel et vous voyez des journalistes, hein, je pense que ça doit vous rappeler un autre Albert, plutôt connu d'ailleurs. Bref, le talent et l'humilité, deux vertus que je sais fondamentalement complémentaires, sans doute la signature des plus grands, deux vertus qui caractérisent une fois de plus un même engagement de nos deux médaillés dans la science avec un grand S. Le CNRS ne s'y est pas trompé, je suis ravi aujourd'hui que nos étoiles n'aient rien de contraire, c'est même une étoile double qui nous éclaire et j'en profite pour expliquer toute l'importance que j'accorde à la recherche fondamentale. Il est important que la recherche soit également appliquée, mais il n'y a pas de recherche appliquée sans recherche fondamentale. Il faut avoir les moyens de comprendre ce que l'on fait et de développer des unités nouvelles qui germeront uniquement demain. Un mot tout de même sur leurs apports respectifs, c'est important. C'est encore une histoire d'énergie. Vanessa s'intéresse au carbone en général, surtout s'ils sont biosourcés. Qu'elles synthétisent et mettent en forme par différentes techniques, donc des mousses, des gels, des polymères, on a vu tout ça, qui sont utilisés notamment pour stocker l'énergie dans des supercondensateurs ou pour stocker l'hydrogène grâce à un compresseur non mécanique qui a été mis en place il n'y a pas longtemps avec des collègues du NEMTA et qui permet d'atteindre 700 bars. Donc c'est une réalisation absolument remarquable. Elles travaillent aussi à toutes sortes d'applications comme le ou les isolants thermiques qui limite notamment les déperditions d'énergie. Et c'est là qu'on trouve le lien avec l'activité de Carlos, puisque c'est aussi l'une de ses ambitions qui vise à stocker de l'information à moindre coût énergétique en se basant sur la conversion du courant de spin en courant de charge dans des systèmes non magnétiques tels que les métaux, les semi-conducteurs, les interfaces de Rajbah et les isolants topologiques. Alors, je fais exprès d'être compliqué, c'est pour vous montrer qu'on a besoin d'aller comprendre les choses. Voilà. Quand on parle d'objets de ce genre, il faut être en mesure de travailler dur pour pouvoir accéder à leur fonctionnement fondamental. Il s'agit d'exploiter au mieux ce qu'on appelle le torque spin orbit et de ne pas être sot pour autant. Bon, ça, c'est à l'attention des seuls spécialistes. Hein, donc voilà, c'est pas obligé que tout le monde rit en même temps. Voilà. Donc voilà. au nom de l'IGL, chère Vanessa, cher Carlos, je vous félicite une fois de plus et je vous remercie très chaleureusement pour tout ce que vous avez accompli, accomplissez et accomplirez encore pour notre unité et pour la science en général. C'est un privilège que de pouvoir vous côtoyer au quotidien et je vous remercie chaleureusement. Au revoir. Merci, Camille. Merci. Donc on va passer à la remise des médailles, partie plus officielle, mais une petite vidéo présentant Carlos, notre premier médaillé, qui va me rejoindre à la fin de la vidéo. Tous les deux, je vais vous demander tous les deux. Je m'appelle Carlos Rojas, je suis chercheur CNRS à l'Institut Jean Lamour à Nancy. Je suis d'origine péruvienne et j'ai fait mes études au Pérou et en Argentine. Et mes domaines de travail portent sur l'électronique de spin ou spintronique. J'adore danser. Imaginez-vous que vous tournez et tournez et retournez sur vous-même quand on danse. On acquiert alors ce qu'on appelle les moments cinétiques. Les électrons ont son propre moment cinétique appelé le spin. Le spin de l'électron, c'est aussi des surprenants qui sont à l'origine du magnétisme. Actuellement, je travaille sur les isolants topologiques pour la spintronique. Un isolant topologique tridimensionnel, c'est un matériau de quelques nanomètres d'épaisseur où la surface est métallique. C'est comme un brique isolant qui à la surface
est métallique. Ce matériau ne fait que quelques nanomètres d'épaisseur. Pour faire mon travail, je dispose de plusieurs équipements expérimentaux, comme par exemple de la résonance ferromagnétique. Actuellement, je travaille sur des projets ANR qui nous permettent d'explorer des isolants topologiques et des autres systèmes bidimensionnels. Aussi, on travaille sur un projet européen qui va nous permettre de faire des échanges pendant 4 ans avec 8 pays différents pour exploiter différents systèmes pour la spintronique et la spin caloritronique. Un des buts de la spintronique, c'est devenir l'électronique de demain avec de faibles consommations. Par exemple, pour stocker de l'information, on doit écrire des 0 et des 1. Imaginons maintenant que je vais donner une boussole. Si j'ai deux nanoboussoles comme ça, ça correspond à 1, et si je peux les écrire comme ça, ça correspond à 1-0. Donc, le but de ma recherche, c'est manipuler ça, écrire en 1 ou écrire en 0. Ce que je trouve passionnant dans la recherche, c'est d'arriver chaque jour dans les laboratoires et pouvoir lancer des manips avec des collègues et des étudiants. Partager avec eux ces belles expériences. Donc je vais laisser le pupitre à M. Frédéric Petrov, qui est directeur adjoint scientifique de l'Institut national de physique du CNRS, et Carlos, qui va venir avec nous sur scène. Mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues, chères lauréates et chers lauréats. Chaque année, le CNRS, premier organisme pluridisciplinaire de recherche français, reconnu internationalement pour l'excellence de sa recherche fondamentale, distingue au sein des équipes de recherche qui composent les laboratoires des talents, femmes et hommes, qui contribuent à son rayonnement et à l'avancée de la science et de la recherche. La médaille de bronze récompense les premiers travaux consacrant des chercheuses et des chercheurs spécialistes de leur domaine. Cette distinction représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. Pour l'année 2020, l'Institut de physique du CNRS a décidé de consacrer Carlos Rojas Sanchez, chargé de recherche rattaché à la section 03 du Comité national et affecté à l'Institut Jean Lamour, site Nancy, pour ses travaux dans le domaine de l'électronique de spin ou spintronique, et j'y reviendrai. Alors, d'abord, quelques éléments sur ton parcours, cher Carlos, que l'on commence à bien connaître. Tu as commencé tes études universitaires dans ton Pérou natal, avec une interruption assez longue pendant laquelle tu as enseigné. Tu rejoins ensuite l'Argentine pour faire ton master puis une thèse sur les oxydes magnétiques à l'Institut Balzero. Tu quitteras l'Amérique du Sud mi-2011 pour un premier séjour postdoctoral en France de 2 ans. Tu rejoins à cette occasion le triangle d'or grenoblois de la spintronique et tu travailleras dans les laboratoires NM au CEA, à Spintech et à l'Institut Néel. Tu quittes ensuite les Alpes pour la région parisienne et tu rejoins l'unité mixte de physique CNRS Thales à Palaiseau en octobre 2013. Un laboratoire que je connais bien car j'en étais le co-directeur à l'époque, et tu y travailleras étroitement avec un certain Albert Fert, et j'y reviendrai plus tard. Tu quitteras ce laboratoire en septembre 2015, et cela pour une bonne raison, car tu es lauréat du concours des chargés de recherche CNRS, et tu démarres ta carrière à l'Institut Jean Lamour. Alors tes travaux de recherche s'inscrivent dans le domaine de la spintronique, contraction entre électronique de spin et contraction entre électronique et spin, une propriété quantique de l'électron que tu as vulgarisée dans le film que nous venons de voir avec l'image de la boussole. C'est une nouvelle branche d'électronique qui a pris son essor à la fin des années 80, mais qui trouve ses racines, puisque c'était évoqué tout à l'heure de connaître un peu l'origine de la spintronique, ses racines se trouvent dans les années 30, dans les travaux du physicien anglais Mott, qui le premier a émis l'idée que dans un métal ferromagnétique, c'est-à-dire possédant une aimantation spontanée, la conduction électrique pouvait dépendre de l'orientation du spin par rapport à l'aimantation du matériau. C'est cette voie qu'Albert Fert revisitera pendant sa thèse d'état à la fin des années 60 au laboratoire de physique des solides d'Orsay. Il y décrira la physique fondamentale de la conduction dépendante du spin dans les matériaux ferromagnétiques, mais ce n'est qu'au milieu des années 80, avec l'avènement des techniques d'élaboration de matériaux artificiels à l'échelle du nanomètre, artificiels car inventés
est créé par le physicien. Et oui, cher Alexandre, les physiciens font aussi des matériaux. Et c'est ce domaine de recherche qui prendra son essor avec la découverte de la magnétoresistance géante par Albert Fert et son équipe, acte de naissance de la spintronique, ce qui lui vaudra d'être lauréat du prix Nobel de physique en 2007, près de 20 ans plus tard. Il faut savoir être patient. C'est donc le mariage de nanotechnologies émergentes, que l'on a vu dans le film, qu'ils sont moins émergentes aujourd'hui, et d'idées de physique fondamentale qui ont permis la naissance de cette nouvelle branche de l'électronique et de la physique, avec un impact important sur les technologies de l'information. Les équipes françaises, dans ce domaine de recherche très compétitif, dont celle de l'Institut Jean Lamour à laquelle tu appartiens, ont toujours été au meilleur niveau international. Carlo, je vais maintenant aborder plus spécifiquement tes contributions. Tu as travaillé sur ce qu'on pourrait appeler la spintronique 2.0, celle qui exploite pleinement le couplage spin-orbite, plus précisément le fil conducteur de tes travaux et la conversion d'un courant de spin en courant de charge et inversement, un effet prédit par le théoricien Edelstein que tu as mis en évidence expérimentalement par l'injection d'un courant de spin dans le gaz bidimensionnel à l'interface d'une bicouche bismuth-argent. J'épargnerai notre auditoire de la subtilité de l'effet Edelstein direct ou inverse, qui n'a aucun secret pour toi, mais cette découverte a généré beaucoup d'autres travaux dans le monde, avec l'exploration de cet effet dans de nombreux systèmes, interface entre deux oxydes ou isolant topologique. C'est devenu un thème important de la spintronique et tu as largement pris ta part, comme le traduit tes nombreuses invitations à des conférences internationales et la visibilité de tes publications. La manipulation de courants de spin est aussi l'une des voies prometteuses de l'électronique du futur, comme ça a été évoqué tout à l'heure, pour développer des composants et systèmes moins consommateurs en énergie, le talon d'Achille de l'électronique conventionnelle. Tu as également travaillé sur d'autres directions de recherche que je ne peux détailler ici. Je mentionnerai aussi que tu prends ta part dans les tâches collectives, avec notamment la responsabilité de la centrale de micro-nanofabrication Minalor de l'Institut Jean Lamour. Pour conclure, cher Carlos, nous avons en commun l'appétence pour la spintronique et d'avoir travaillé avec Albert Fert. Il n'a pas le compliment facile et je lui emprunterai ces mots te concernant. Je suis fortement impressionné par ses résultats originaux, depuis son arrivée comme postdoc à Grenoble jusqu'à ses derniers travaux à Nancy. Sa créativité continue et s'appuie d'abord sur une connaissance profonde de la physique, des qualités d'expérimentateur exceptionnel et sur l'originalité et l'ambition de ses idées. Je peux ajouter que j'ai eu plusieurs occasions de tester la rigueur de sa démarche et que ses travaux m'inspirent personnellement une confiance totale. Que dire de cela après ? Bravo. Donc, au nom du président directeur général du CNRS, M. Antoine Petit, nous avons l'honneur de te remettre cette médaille de bronze CNRS 2020. Avec toutes nos félicitations pour l'exemplarité de ton parcours depuis ton Pérou natal et le rayonnement international de tes travaux de recherche. Félicitations. Chers tous, c'est avec un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité, que je reçois ces médailles du CNRS. Je tiens à remercier ma famille, mes parents et mes frères et sœurs, à tous mes collègues et mes étudiants de Mood Academy au Pérou, en Argentine et en France, et encore à ma famille, ma femme et mes enfants qui sont chaque jour avec moi. Mes parents et moi sont d'un petit village au Pérou, Chepén. Puis, nous avons déménagé à Lima, à la banlieue, la capitale du Pérou. On a vécu des moments difficiles, des occasions sans de l'eau potable ou sans des services basiques. Mais merci aux efforts de mes parents et à la persévérance qu'ils m'ont appris, j'ai réussi à intégrer l'Université nationale d'ingénierie. Je remercie mes professeurs et mes camarades de classe de cette université à Lima, ainsi que de l'Institut Balseiro à Bariloche, en Argentine, où j'ai pris la résonance ferromagnétique. Bien que je n'ai pas publié mes résultats, la résonance ferromagnétique, ça m'était extrêmement utile pendant mon séjour ici en France. Je remercie
le monsieur d'origine française, maintenant c'est plus un secret, on l'a vu en vidéo tout à l'heure, qu'on s'est connu en juin 2010 et à qui je l'ai envoyé mon CV par email. Je remercie Laurent Villa qui m'a embauché pour mon premier postdoc à Grenoble en 2011. C'est une opportunité unique que ça a changé ma carrière, ma vie et celle de ma famille. Je remercie Jean-Marie Georges qui ensuite m'a embauché pour un postdoc à l'unité mixte de physique Sénarès Thales. Je remercie encore les mêmes messieurs d'origine française qui m'aident à résoudre quelques problèmes bureaucratiques avec la sous-préfecture de Palaiseau et m'a embauché quelques semaines à l'Institut Nel à Grenoble. Tout s'est bien passé. En 2014, je commençais à rêver pour devenir chercheur Sénarès. En décembre 2014, lors d'un séminaire ici à Nancy, dans le groupe SPIN, et la réunion de permanents, l'un des premiers à en sortir, avec un sourire caractéristique dans son visage et un geste d'approbation, c'était Daniel Lacour. Merci Dan pour ce geste qui m'a marqué. Ça m'a permis de rêver que devenir chercheur au CNRS et sur le long voyage et chemin, c'est possible. Tout s'est bien passé avec beaucoup d'efforts, bien sûr. Je tiens à remercier tous les groupes dans lesquels j'ai travaillé, à Grenoble, à Palaiseau et bien sûr à Nancy. Je remercie Olivier Copy qui a rejoint le CNRS les mêmes années que moi. Je suis trop long à comprendre les choses, mais avec son aide et de tous nos collègues, la tâche devient plus facile. Je veux remercier un autre monsieur aussi grand que moi, monsieur Petit. Merci Seb et en ton nom à tous nos collègues pour tout ce que je vous demande et je vous embête. Je peux garantir que cela va continuer. Nous faisons de la recherche fondamentale. C'est notre passion. Ce que je simplement peux dire, c'est que je profitais de l'excellence scientifique que je trouvais autour de moi dans chaque laboratoire où j'ai travaillé. Par exemple, avec Agnès Barthélémy et Albert Fer, que je remercie aussi pour la qualité humaine. On rencontre dans tous les labos, en tout cas c'était mon expérience personnelle, des gens si simples, modestes, humbles et prêts à nous aider, au-delà de toutes ces reconnaissances scientifiques. J'espère pouvoir transmettre à nos étudiants et nos postdocs tous ces enseignements avec la même qualité humaine. Je vais profiter de cette occasion pour transmettre un message à nos étudiants. Persévérez. J'ai eu beaucoup d'erreurs et des échecs, mais plus que tout ça, j'ai persévéré. Merci à Thierry Belmont et Albert Fer qui m'ont nominé pour la médaille. Ça n'a pas marché en première fois, mais ça a marché en deuxième. Merci à toute l'équipe SPIN, à tout l'IGL, à l'Université de Lorraine. Je suis ravi et je suis fier d'être chercheur CNRS. C'est un grand institut et je m'intègre de plus en plus. Merci au personnel administratif, à tous les centres de compétences, particulièrement à les ingénieurs de la salle blanche. Je suis le responsable de la salle blanche Minalor, mais comme je le dis toujours, c'est vous qui faites le travail. Enfin, je tiens à remercier la personne qui a fait de plusieurs de mes rêves une réalité. Cette personne qui est avec moi chaque jour, qui a laissé sa carrière et son travail au Pérou pour que moi et notre famille puissions aller ensemble en Argentine, puis retour au Pérou en 2010 avec des moments très difficiles, puis en 2011 quand nous sommes entrés en France avec la barrière de la langue. Johanna, tu t'es remarquablement débrouillé et tu es tout maintenant à l'Université de Lorraine. Ton bel exemple de persévérance et de résilience pour nos enfants, mais aussi pour moi-même. Gracias, Johanna. Je suis très chanceux que tu m'aies à ton côté. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de partager ce moment de joie avec moi et ma famille.
que ce soit ici à Épinal ou par streaming. Merci aussi d'avoir fait l'effort de comprendre ce que je dis avec mon accent si charmant, remarqué. Merci beaucoup. Merci. Merci Carlos, merci pour les petites émotions partagées. Et elle n'est pas en chocolat, hein, vous vérifierez. Je vais inviter Alexandre Legris, directeur adjoint scientifique de l'Institut national de chimie, à me rejoindre et on va passer le film qui présente les recherches de Vanessa Fierro. Je m'appelle Vanessa Fierro, je suis directrice de recherche CNRS à l'Institut Jean Lamour. Je suis responsable de l'équipe Matériaux Biosourcés. Cette équipe est hébergée par l'ESTIB, École nationale supérieure de technologie et industrie du bois, à Épinal. Je travaille sur les matériaux poreux, principalement sur les matériaux poreux carbonés et les phénomènes d'absorption associés liés aux applications comme la catalyse, la séparation des gaz, le stockage des gaz. Je travaille surtout avec des molécules polyphénoliques, notamment avec les tanins. Ce sont des molécules qui sont présentes dans toutes les espèces végétales. Par exemple, dans les raisins, on va les trouver sur la peau et sur les pépins. Nous, ce qu'on utilise, c'est les tanins d'un arbre qui s'appelle mimosa. Ils vont réagir comme des molécules d'origine pétrochimique, par exemple résorcinol, phénol. Et à partir de ces tanins, on va pouvoir faire des matériaux comme les mousses isolantes ou les gels super isolants et aussi les matériaux carbonés dérivés. Actuellement, nous travaillons sur des applications liées à l'énergie, notamment liées à l'hydrogène. Par exemple, nous travaillons avec des charbons de haute surface spécifique pour le stockage d'hydrogène. Nous travaillons avec ces charbons-là pour faire la compression de l'hydrogène. Nous avons développé un compresseur d'hydrogène qui peut faire monter la pression de 40 à 700 bars. On a un hydrogène à une pression utile pour les applications actuelles. Et cette compression-là se fait tout simplement par absorption-désorption. Nous travaillons aussi sur le développement des supercondensateurs. Ils s'utilisent pour le stockage d'énergie. Ils s'utilisent notamment dans les voitures hybrides. Dans ces supercondensateurs, il y a des électrodes carbone que nous testons ici. Nous travaillons aussi sur la réaction de réduction de l'oxygène dans les piles à combustible. Donc commercialement, les catalyseurs utilisés sont des catalyseurs à base de platine. Ici, ce qu'on fait, c'est développer des catalyseurs à base de fer qui fonctionnent aussi bien que les catalyseurs à base de platine. Donc vous voyez ici, il y a la ligne noire, c'est mon catalyseur commercial, et en vert, les catalyseurs qu'on a développés à base de fer. Notre recherche est en constante évolution. Nous menons en parallèle une recherche plus fondamentale pour l'avancement de la science, mais aussi une recherche beaucoup plus pratique pour être au plus proche des industriels. Nous avons développé des mousses de tanins de mimosa, pratiquement 100% biosourcées. En ce qui concerne la recherche fondamentale, nous sommes en train de développer, par exemple, des résines d'origine naturelle à partir des tanins pour faire des structures 3D. Elles peuvent être utilisées après en catalyse, en séparation des gaz, en photocatalyse. L'avantage, c'est qu'ils vont fournir une très grande surface de contact et lorsqu'ils seront dans les réacteurs, il n'y aura pas une grande perte de pression puisqu'ils laissent passer les gaz très facilement. La recherche, pour moi, c'est une passion. Concevoir, synthétiser, puis tester un matériau et qu'il fonctionne, c'est vraiment un plaisir, c'est de la pure joie, c'est pour ça qu'on ne compte pas notre temps.
est dans les temps. Donc, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ça y est, nous y sommes. Voilà l'été. Et voilà enfin, nous voilà enfin réunis pour célébrer donc les lauréats des médailles des talents du CNRS ici en Lorraine. Donc, je voulais remercier tout d'abord au nom du PDG, les collègues qui ont préparé cette belle cérémonie, qui a permis de nous réunir de façon sûre, mais présentielle, pour rendre hommage à nos deux récipiendaires. Côté recherche, on l'a dit, nous mettons aujourd'hui en honneur deux collègues qui ont en commun d'abord le fait d'appartenir à l'Institut Jean Lamour, dirigé par Thierry. J'imagine la fierté de lauréats et de leur famille, mais aussi celle de leurs collègues, hein, de voir aujourd'hui distinguer l'excellence en région par un organisme national et sans nécessité d'adhérer à une quelconque association sélecte d'université. Le CNRS a décelé l'excellence à Nancy et à Épinal et a su la distinguer, et nous sommes aussi fiers de cela. Nos deux récipiendaires partagent aussi le fait qu'ils ont appris à lire plutôt avec Platero y yo de Juan Ramón Jiménez qu'avec Daniel et Valérie. Le CNRS et notre environnement de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être fiers d'avoir su accueillir des jeunes collègues de talent, brillants, et ceci, nous le faisons année après année, signe que notre recherche ne se porte pas si mal que cela, en dépit, hein, de choses à améliorer. Je pense qu'il est important de le dire de temps en temps. Maria Vanessa Fierro Pastor a un nom prédestiné pour la recherche en métallurgie, hein, mais elle a plutôt opté pour la recherche en chimie moléculaire et matériaux mous, mais elle n'a pas su échapper au bassin d'attraction de la Lorraine. Elle est directrice de recherche de première classe au CNRS depuis un an. Elle a commencé sa carrière scientifique, on va dire, avec sa thèse en 1998 à l'Institut de carbochimie à Saragosse, en Espagne. Elle a été ensuite menée des post-docs en Espagne, en France, à l'IFP, à Solèze, ensuite à ce qui allait devenir l'Institut de recherche l'IRSE-Lyon, hein, cadre de catalyse à Lyon. Elle est ensuite rentrée en Espagne, elle a changé de région, elle est partie en Catalogne pendant 4 ou 5 ans. Et en fin 2005, elle réussit le concours CNRS et rejoint en 2006 l'équipe de recherche qui allait être intégrée en 2009 à l'Institut Jean Lamour. Une curiosité que j'ai trouvée en préparant ce dossier, le CSIC, le Consejo Superior de Investigación Científica, qui est l'équivalent du CNRS en Espagne, a été fondé la même année que le CNRS en 1939. Et en plus, le bâtiment qui sert de siège au CSIC a servi pour faire des prises pour une série espagnole qui est très connue, qui s'appelle La Casa del Papel, qui est la maison du papier, ce qui nous amène aujourd'hui à Épinal, à l'école du bois. Voilà. Donc, en dépit de ces quelques anachronismes, les activités de recherche que mène Vanessa Ferro-Pastor sont issues de la convergence de deux domaines d'intérêt majeur, comme elle le souligne, les matériaux poreux d'une part et la biomasse végétale d'autre part. Donc, les matériaux poreux sont extrêmement importants pour un tas d'applications, vous l'avez compris, pour la catalyse, pour l'absorption, pour la séparation, pour l'isolement, pour l'isolation. Ils sont bon marché et performants, et elle y effectue des recherches sur des matériaux issus de la matière végétale, en particulier des molécules briques, hein, qu'on appelle les polyphénols. Leur polymérisation ou concaténation permet de bâtir des mousses qui peuvent ensuite être transformées en matériaux carbonés ou en matériaux céramiques. Dans le domaine des porosités extrêmement faibles, il y a des applications qui sont particulièrement résonantes aujourd'hui, donc celles qui visent au stockage de l'hydrogène, ça a été présenté, celles qui visent aussi à stocker de l'énergie électrique et à la distribuer de façon intense, hein, donc les supercondensateurs. Quoi d'autre ? Vous développez aussi des mousses à base de tannin, précurseurs de mousse céramique, pour des applications dans la catalyse et dans l'isolation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, toutes ces recherches, commencées il y a bientôt une vingtaine d'années, trouvent une parfaite conjonction dans le développement durable, hein, auquel
nous faisons face avec le recyclage, la valorisation de la biomasse, mais aussi de la transition énergétique, avec l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur d'énergie et les batteries et supports condensateurs. En plus de vos activités de recherche, vous dirigez la petite équipe matériaux biosourcés, dite équipe 402. Il y en a un certain nombre à l'Institut Jean Lamour, donc ce qui témoigne du travail que doit mener le directeur, qui est composé de 4 permanents. Vous avez une production scientifique qui est étonnante, plus de 300 publications dans des journaux de rang A, un certain nombre de brevets, près de 9000 citations. Vous publiez entre 20 et 25 publications et 4 chapitres d'ouvrages par an depuis ces dernières années. Vous avez un rayonnement qui se manifeste aussi par le nombre de conférences invitées, dont une dizaine de ces quatre dernières années que vous avez données, et le nombre de collaborations qui est toujours en croissance et en évolution. Vous avez participé de façon active à l'encadrement de thèses, avec plus d'une vingtaine d'étudiants qui ont déjà soutenu, et cette thèse en cours, presque une vingtaine de post-docs aussi. On vous doit aussi un grand nombre d'articles de vulgarisation, et ça c'est important, ça a été dit, il faut que nous soyons capables en tant que scientifiques de communiquer avec la société et que nous sachions transmettre à la société l'importance des recherches que nous menons. Vous avez participé à un nombre impressionnant de projets, ADEM, RFCS, Carnot, ANR, Région Grand Est, ici, j'en passe, et vous travaillez beaucoup aussi avec les entreprises TRB, Bordet, INRS, Circa, de Pestel, Astil, Areva, RTA. Vous avez obtenu un certain nombre de prix importants. Je ne citerai que le prix Charles Petinos Award, décerné tous les 3 ans par l'American Carbon Society pour des recherches récentes remarquables en sciences et technologies du carbone. Vous êtes impliqué aussi, tout en étant chercheur CNRS, dans un nombre important de responsabilités collectives au sein du pôle M4 de l'Université de Lorraine. Vous avez été aussi impliqué dans des responsabilités collectives au laboratoire en tant que membre du conseil de laboratoire du comité scientifique. Donc vous avez une activité que donne le tournis, vraiment. Et vous avez mené une vie personnelle riche, faite de voyages, mais pas que, puisque vous êtes la mère de 2 jeunes filles que j'ai en face de moi. Et donc vous avez trouvé le temps de mener tout cela de façon concertée, ce qui est remarquable. Donc les filles, vous avez une super maman et un super papa, évidemment, aussi. Voilà, tout ceci est remarquable, et le CNRS, je garde ça pour la fin, parce que ça a été dit par monsieur le député, promeut l'accès à l'égalité homme-femme, et je trouve remarquable que vous ayez eu le temps, Vanessa, de mener tout ça et d'élever une famille. C'est vraiment un travail titanesque. J'ai une famille, je sais ce que c'est que de s'occuper des enfants, et c'est vraiment remarquable. Bien, donc on va passer à la remise. En raison de la qualité de vos recherches, de votre activité originale, d'une production scientifique remarquable et d'un rôle incontournable à l'échelle du laboratoire, de la communauté et de votre positionnement citoyen aussi, et votre contribution au développement socio-économique de notre société, nous sommes honorés, au nom du PDG du CNRS, Antoine Petit, de vous remettre la médaille d'argent aujourd'hui. Carlos, moi, il me l'a rendu. Non. Je la récupère. Ah, merci. Merci à tout le monde d'être là. On a eu les médailles en 2020. On a eu des moments difficiles. Donc maintenant, c'est une grande joie de nous trouver ici tous ensemble. La recherche, c'est une passion. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'émotions. J'ai reçu cette médaille et je suis consciente que ce n'est pas seulement le travail d'une personne, c'est le travail d'une équipe. Et dans cette équipe, une grande partie de la médaille revient à mes parents. Ma mère, fille des paysans, m'a appris la valeur de l'effort et de la persévérance.
Elle a l'habitude de me dire « Personne ne saura combien de temps cela t'a coûté. L'importance, c'est le résultat. » Mon père est fils d'un instituteur de la République espagnole. Et avec mon père, j'ai fait des calculs mentaux avant d'aller me coucher. Il me dit toujours que la matière la plus importante sont les mathématiques. Aucun d'eux n'a pu aller à l'université, mais ils m'ont toujours encouragée à étudier et à être indépendante. J'ai donc étudié la chimie à l'université de Saragosse, puis j'ai fait une thèse à l'Institut de carbochimie du CSIC, l'équivalent du CNRS en Espagne, et des postdoctorats à l'Institut français du pétrole et à l'Institut de recherche sur la catalyse à Lyon. Après 2 ans et demi en France, je suis retournée en Espagne pour développer un axe de recherche sur les charbons actifs à partir de la lignine. J'ai eu mon premier projet européen, l'Ignocarb, dont j'ai ramené la coordination en France lorsque j'ai été recrutée comme chercheur CRN au CNRS. Ce projet nous a permis de disposer de notre premier équipement d'absorption et de rémunérer notre premier étudiant en thèse. Parce qu'aujourd'hui, nos laboratoires sont bien équipés, mais il fut un temps où nous n'avions pas grand-chose pour travailler. Nous avons soumis de nombreux projets. Nous avons eu une petite partie, et je remercie les financeurs. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous aurions pu développer si nous n'avions pas eu à construire tant de beaux projets qui n'ont pas vu la lumière. Je suis préoccupée par les politiques de financement de la recherche. Nous devrions toujours impliquer les industriels. Et je ne suis pas contre. Nous-mêmes, nous avons de nombreux partenaires industriels. Mais pas seulement. Parce qu'avec cette politique, je crains que nous allons résoudre les problèmes à court terme et pas les défis futurs. Si nous n'avions pas eu le soutien du FEDER et de Lorraine Université d'Excellence, nous n'aurions pas pu être prêts pour travailler sur le stockage de l'hydrogène, maintenant que tout le monde parle d'hydrogène. Ce n'est pas lorsqu'il y a une crise qu'il faut se tourner vers les chercheurs pour trouver une solution rapide. Une recherche de qualité nécessite des temps et des moyens. J'espère qu'on pourra continuer à compter sur vous pour les thématiques naissantes dans mon équipe, notamment en métamatériaux et en impression 3D. C'est un exemple. Venir à Épinal, ça a été une vraie opportunité. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons eu une progression ascendante. Avec l'aide de l'ESTIB, nous avons pu trouver les surfaces pour de nouvelles salles de laboratoire. Et j'espère qu'on pourra en trouver encore. Vous voyez que je profite de l'occasion, monsieur le directeur de l'ESTIB, monsieur le président de l'université, il nous faudrait une nouvelle salle, plutôt au rez-de-chaussée, où on pourrait placer les bouteilles de gaz à l'extérieur par sécurité. Et en fait, j'ai déjà une petite idée. Mais on pourra en parler, si vous voulez bien, plus tard. À Épinal, je suis dédicée, nous sommes arrivés à 3. Alain Celsar, ancien chef de l'équipe et maintenant responsable du département 4 de l'IGL, un étudiant en thèse et moi-même. Nous sommes maintenant pas 4, mais 5 permanents à commencer. Et on a un 5e qui arrive le mois de septembre. Et 12 chercheurs sous contrat. 50 chercheurs de 20 nationalités différentes ont travaillé dans notre équipe. Nous avons des collaborations en France, en Europe, partout dans le monde. Nous avons porté les noms d'Épinal et de la région Lorraine, maintenant Grand Est, partout. Dans l'équipe gagnante de cette médaille,
il y a évidemment mon équipe, spécialement Alain César, et il y a l'Institut Jalamour. Ce prix revient aussi aux femmes et aux hommes de notre laboratoire, personnel chercheur, technique et administratif. J'ai commencé avec ma famille en France, en Espagne. Je finirai avec ma famille en France. Mes beaux-parents et ma belle-fille. Je n'aurais pas pu souhaiter un meilleur accueil. Et ensuite, l'équipe à la maison. Alain, on s'est connus, on s'est reconnus. Ensemble, nous sommes plus forts. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je serai là pour t'applaudir. Et mes filles, je sais que je vous taquine avec mes calculs difficiles et que je vous dis que les mathématiques sont la matière la plus importante. Sachez que vous serez ce que vous voulez être, à condition de travailler avec persévérance et passion pour réaliser votre rêve. Ne laissez personne vous empêcher de devenir les femmes que vous voulez être. Finalement, je n'oublie pas les CNRS. Merci pour la médaille d'argent. Merci pour avoir réalisé mon rêve. Merci. Faudra nous trouver une petite mousse pour qu'elle tienne. On va faire les photos avec elle. Bon, je vais inviter les deux médaillés à rejoindre le photocall, parce que c'est un petit peu le festival de Cannes de la science, hein, vous avez compris. Je vais juste profiter des trois dernières minutes pour remercier. Évidemment, les médaillés, vous avez vu l'humanisme qui transparaît, la modestie. Merci à tous les deux, parce que franchement, c'est une belle rencontre. On a cassé encore une médaille. Qu'est-ce qui s'est passé, Carlos ? Je sais pas. Remercier les services de la mairie, monsieur le maire, monsieur le président de l'agglomération, de votre accueil, madame Delgenini évidemment, puisque c'est un peu notre marraine dans tout ce qu'on fait à Épinal. Remercier Corp Média qui a permis la retransmission en Mondiovision. Merci beaucoup. Les personnels de l'Institut Jean Lamour et notamment le service communication. Et puis les personnels de la délégation qui ont organisé cette manifestation, en particulier le service communication de la délégation. Merci à nos deux directeurs adjoints scientifiques d'avoir fait le déplacement. Je crois qu'on leur a permis de faire une première sortie dans le monde après un confinement. Donc merci beaucoup de vous être déplacés jusqu'à nous et on aura toujours plaisir à vous accueillir. Alors je vous donne rendez-vous pour les prochaines médailles. La prochaine c'est à Nancy à l'automne et on va voyager dans l'univers cette fois-ci. Donc on va changer un peu d'échelle. Mais on compte sur vous. Voilà. Oui, faites-la, il faut la faire celle-là. Ça fait un an qu'ils attendent de pouvoir faire la photo comme ça. Oui, on va aller se mettre devant les kakémonos ou devant le... On va perdre des gens, Christelle. Frédéric, Alexandre, vous venez ? Chacun le sien ? Chacun le mien. Là, moi, je prends le chimiste et lui, le physicien. Oui, on va. On va faire comme dans les mariages, on vous laisse les médaillés. Vous pouvez, tout celui qui veut une photo avec les médaillés peut le faire, sans problème. Hein, Pierre, Thierry, j'imagine. Et puis on va inviter tout le monde à rejoindre le cocktail. C'est un cocktail assis, en mode un peu cabaret, vous voyez. Donc si vous avez un numéro de table, vous allez à votre numéro de table. Sinon vous pouvez aussi boire un petit verre par affinité.